Bonjour à tous, donc nous voilà pour une nouvelle review. On va parler aujourd'hui de Unorthodox de Antonio Martinez. C'est à la Calazam Magique qui fait tout ça. Alors avant de parler de ça, c'est comme le jeu invisible, pareil, la même chose dans le principe. Et il y en a plein que j'entends, ouais, le jeu invisible c'est vieux, je le fais plus. Alors on en a parlé au magasin avec certains magiciens, et en fin de compte, quand c'est vieux, ils veulent pas le faire parce que c'est vieux, oh, tout le monde connaît. Et en fin de compte, moi, le jeu invisible, c'est un tour que je fais régulièrement. Imaginez, je vous dis, dans cette boîte, il y a une carte, une seule carte. Dites-moi n'importe quelle carte. Donc, je parle à tous les magiciens de la France. Vous me dites n'importe quelle carte, vous ouvrez la boîte, la seule carte qui est à l'intérieur, c'est la bonne. Donc si je vous fais ça, vous allez sauter en l'air, vous allez faire triple saut perdu en disant « c'est génial ». Et bien c'est exactement ce que va ressentir le spectateur quand vous aurez un jeu invisible dans les mains. Vous allez éventailler le jeu et la seule carte qui sera retournée, ça sera celle du spectateur. Vous, vous connaissez l'astuce du jeu invisible, donc pour vous c'est vieux tout ça. Mais il ne faut pas oublier l'effet que ça produit sur le spectateur. Je parle d'un spectateur lambda. Donc l'effet est monstrueux et faut pas oublier de le refaire parce que le jeu invisible pour moi c'est extraordinaire. Dites-moi une carte, c'est la seule qui est dans la boîte. Eh ben, c'est exactement ça qu'on fait avec un jeu invisible. Eh ben, Unorthodox, c'est dans le même principe, sauf qu'ils sont partis sur un jeu de Uno. Et je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Donc, et ce qui est bien, c'est que on part différemment en étant. Ben je vous le fais. Jérôme, j'ai un jeu de cartes ici, et à l'intérieur, il y a une carte différente, disons une carte qui est retournée par rapport à tout mon jeu. Et ben tu vas la choisir le plus naturellement possible. Imagine que tu as un jeu invisible dans les mains. Mmh. Donc, comme tu tiens la caméra, dans la main droite, tu as les chiffres, les cartes paires, dans la main gauche, tu as les cartes impaires. Tu me donnes celle que tu veux. Les cartes paires. Paires, d'accord. Donc je les éventaille. Je sais pas si tu les vois. Ah ouais, donc, je vois super bien. Dans ces cartes paires, il y a des rouges et des noirs. Tu choisis celle que tu veux. Donc il n'y a pas de choix équivoque. Si tu veux les rouges, on prend les rouges. Si tu veux les noirs, on prend les noirs. Eh bien, les noirs. Les noirs. Donc les rouges, on les jette. Dans les noirs, il y a des grandes cartes, des petites cartes à paires. Tu choisis celle que tu veux. Je sais pas si tu les vois bien. Je l'ai bien éventaillé. En pique ou trèfle ou n'importe quoi. Je te dis quoi, noir? Ouais. Ah oui, je t'ai pas dit alors, pique ou trèfle. Je choisis... Je te donne les trèfles. Allez, on garde que les trèfles. Et hop, dans les trèfles, maintenant, tu choisis la valeur. Le... Bah tiens, celle du milieu. Et je la vois pas, je suis à l'envers, moi je suis de l'autre côté. Ah pardon, excuse-moi, attends, je me rapproche pour les gens. Voilà, le 2 de trèfle, je choisis. Donc, dans ce jeu... Normalement, oui, alors j'ai un fils, ça j'ai oublié de vous le dire, ça fait pas partie de la review, pardon, et il m'a mis un jeu de Uno à l'intérieur, mince, il a dû remplacer mon jeu de cartes, comme il joue avec, il fait tomber, il ramasse, il joue avec, et il a dû se tromper de jeu, donc normalement c'est une bicycle. Je sais pas. Bon, on va quand même regarder. Tu m'as dit quoi? Le 2 de trèfle. On va regarder jusqu'au bout. Ah, ici, il y a une... Ah, ben, il y a une carte différente. Une carte différente. On la regarde. Et c'est bien le 2 de trèfle. C'est-à-dire, dans mon Uno, mon fils, il a tout ramassé. Il a mis une carte au hasard. Et c'est le 2 de trèfle. Donc, voilà le principe de ce jeu. Vous travaillez comme le jeu invisible, vous pouvez soit faire comme ceci, et là il n'y a vraiment rien besoin de faire, vous prenez la carte et vous la montrez, soit vous le faites dans ce sens-là, et c'est une simplicité, donc vous voyez il y a des chiffres, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est un jeu de Uno tout simplement. Un jeu de Uno. Alors j'ai vu une certaine review qui dit que ça se voit que ce n'est pas les vraies cartes de Uno. Personnellement, je ne sais pas comment sont les cartes de Uno, donc moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était les cartes de Uno. Donc, en plus, c'est marqué Uno quelque part, voilà. Ouais, donc, après... j'ai toujours cru que c'était des Uno,
C'est en voyant la revue d'Alexis que j'ai dit, ah ben non, c'est pas des Uno. Mais bon, ça passe largement. Et personnellement, je l'ai fait hier soir à l'association, ça marche très très bien. Il suffit de faire ce gag, mince, mon fils s'est trompé de jeu et tout, et ça passe super bien. Donc, le même tour qu'avant, le j'invite que je faisais souvent, eh ben, j'aime bien le faire comme ça maintenant, parce que j'aime bien à chaque fois me tromper, où il y a une erreur, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aime bien jouer ce personnage, et c'est pile poil ce que je joue avec ça. Mince, c'est pas le bon jeu, mon fils a échangé, et d'un seul coup, il y a quand même leur carte qu'ils ont choisie librement. C'est ça qui est bien. Donc, je vais le remettre dans sa boîte. Donc bien évidemment, pour faire ce truc-là, on conseille de mettre le jeu de Uno dans un étui, donc bicycle, bien Ou évidemment. bicycle ou autre, Oui, parce ou que autre, la oui. carte Mais qui sort n'est pas oui, non, mais tout bicycle. à fait. Mais je veux dire, autre que l'étui Uno, puisque justement, on part sur le principe de se dire, tiens, je vais vous faire un tour, mince. Exactement. Mon fils, il m'a échangé le jeu, et c'est là où le tour prend de son importance. C'est ça. Donc la boîte et le tour est vendu comme ça, dans cette boîte-là. Mais comme il dit Jérôme, le mieux c'est de changer de boîte, d'en mettre une autre. Donc vous avez vu, je l'ai mis dans une boîte bicycle. La carte qui est au milieu n'est pas de carte bicycle, mais ça passe très bien. Il suffit Oui, ça. de mettre les mots qu'il faut pour ça. Puis de toute façon, ça, les gens, ils connaissent pas la boîte à quoi correspondent les cartes. Exactement. Ça va, Donc c'est pas grave. pensez que votre public, si vous le faites à des magiciens, c'est sûr que oh, ça va, c'est un jeu invisible. Mais si vous le faites à des profanes, je vous garantis que le jeu invisible fonctionne, et celui-là fonctionnera pour moi encore mieux, parce qu'il y a ce petit gag au milieu. Voilà, c'est tout nouveau. Moi, j'aime bien ce tour. Unorthodox de Antonio Martinez. C'est pas une grande invention, mais c'est une belle petite amélioration. Exactement, Jérôme. Tiens, tu vois, Voilà. t'as ouvert ta gueule, mais pas pour rien. Tu vois, des fois. C'est pas une grande invention, exact, mais c'est une belle amélioration. De toute façon, c'est à vous de voir, parce que c'est sûr qu'il a un prix qui est beaucoup plus cher que le jeu invisible, mais à vous de voir si ça vaut le coup pour vous de changer de façon de faire et d'arriver avec un nouveau jeu. Voilà. Voilà, donc ça c'était. Oui. Contrairement par contre au jeu invisible, même s'il n'y a aucun intérêt, on peut. Non, j'allais dire une bêtise. Non, j'allais dire une bêtise. Donc là, il y a quasiment. Il n'y a même pas besoin de compter, il n'y a pas même besoin de réfléchir. On peut le faire soit d'un côté en regardant, en sortant la bonne carte, soit le faire de l'autre côté et en suivant les cartes qui sont dessus, vous trouvez la bonne carte. Donc c'est vraiment très très simple. Il n'y a rien à apprendre. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait vous dire sur Unorthodox. Et après, si vous voyez ça, ça va bientôt arriver. C'est un petit bijou qu'on est en train de faire. On en parle bientôt. Voilà. Allez, à tout bientôt.